Déjà 900 000 exemplaires vendus. Vous allez probablement passer les millions là. <laughs> bah, écoutez, je, je suis ravi d'avoir tous ces lecteurs. Oui. Bien. maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs aujourd'hui, mais que c'est pas arrivé tout de suite. Et donc, ce qui fait que maintenant, je suis vraiment content d'aller dans les librairies ou faire des dédicaces, etc., de, de rencontrer des. des Parce que vous avez personnes. vécu des dédicaces avec très peu de monde. Ah bah moi, j'ai <laughs> fait des dédicaces. Je me rappelle une dédicace à la Fnac il m'avait mis enfin je dis à la Fnac j'étais très jeune c'est pas de la faute à la Fnac j'adore la Fnac mais euh, je m'étais j'étais très jeune je me rappelle j'avais une petite table qui était c'était à Lyon je m'en souviens il y avait une table à côté de l'entrée et il y avait les portiques de sécurité vous savez et puis il y avait un vigile qui me regardait comme ça il y avait absolument personne et les gens entraient dans la Fnac et ils s'approchaient de ma table et ils disaient excusez-moi bonjour le rayon DVD c'est bah, où je oh, c'est au deuxième et à un moment je demande au vigile c'est où les DVD c'est le deuxième parce que quand on me demande je dis je dis quoi mais qui me regardait comme ça il me demandait si je me fichais de lui donc voilà j'ai que j'ai eu plusieurs années de lose. Euh, <laughs> euh, de, de, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir autant de lecteurs, et surtout, c'est souvent des lecteurs qui ne lisent absolument pas de BD. Et Parce que quelque part, c'est des romans graphiques, on peut dire ça, ou alors on ne fait pas la différence Moi, je ne fais pas vraiment la différence. Je pense que vraiment. Me la bande dessinée, c'est des petites cases qui suivent et qui racontent une histoire. Et vous dites que vous avez des lecteurs de tous les âges, parce que ça ouais. raconte l'histoire d'une fille de 15 ans, mais ce n'est pas pour les âges. Pour ah non, non. C'est vrai que les cahiers d'Esther, ça n'a pas été réfléchi pour des, des enfants, en fait. C'est publié, publié dans l'Obs euh, toutes les ça. semaines, à, qui est un magazine pour adultes, enfin pour adultes, pour lecteurs euh, adultes, quoi. âgés. Et, Âgé, mais... et, <laughs> et c'est vrai que <laughs> les, les jeunes, ils sont arrivés au fur et à mesure des albums, pas, pas, pas tout de suite. Et maintenant j'ai énormément de, de lecteurs de l'âge d'Esther. De, de, j'ai vraiment c'est super. Je fais des bandes dessinées pour les gens qui lisent pas de bandes dessinées. C'est mon obsession. Je veux les amener comme un, un évangéliste <laughs> qui veut les initier à la BD. Je voilà, j'adore ça.